Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de journal créatif One by One ou un par un pour ceux qui préfèrent le français. L'idée c'est de revenir toutes les semaines et de vous montrer ce que j'ai fait dans la semaine et puis de le faire petit à petit en prenant son temps, une chose après l'autre. Voilà, j'espère que vous allez bien, la semaine s'est bien passée. Alors normalement je reviens le vendredi, là on est samedi puisqu'hier j'étais en déplacement toute la journée, donc j'ai décidé de le faire cette semaine en samedi matin, donc ça veut dire que tout le monde est à la maison et que je risque peut-être d'être dérangée, mais j'ai prévenu, je tourne mon podcast, voilà. Alors nous, c'est les vacances qui commencent, et ça va être bien. C'était un peu la fête hier soir quand je suis rentrée, mais tout le monde était crevé, donc c'était très sympa. Ils m'ont attendu pour dîner, mais ça, vous vous en fichez. Mais moi, ça m'a fait plaisir d'être content avec eux, voilà, à ce moment-là. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire cette semaine, hein, sinon je ne serais pas là. Donc, le programme du jour, c'est... je vais vous dire ce que je porte. On va parler du challenge créatif de la semaine. Je vais vous montrer un ouvrage en tricot terminé, un ouvrage en cours, un futur projet. Je vais vous parler d'un futur projet. On va parler d'un cal, voire de deux. Un coup de cœur patron, un podcast. Une série sur Netflix, un livre, un magazine, quelques news sur ma société et je vais répondre à vos questions. Donc il y a du taf, donc on commence maintenant. Ce que je porte. Alors ce que je porte, c'est un pull que j'ai créé en 2017, le premier pull que j'ai créé en fait... Top Down, qui est un pull que j'ai créé dans le cadre d'un cal qui était organisé par Hortense Pia, qui faisait un podcast d'ailleurs, et d'ailleurs elle en fait plus, c'est dommage, ça me manque, j'aimais beaucoup son podcast, je trouvais que c'était très agréable qu'elle nous partage son univers hors du commun, et voilà, j'aimerais bien, si on sait jamais, si tu passes par là, je sais pas, c'est pas son nom, elle s'appelle pas Pia, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas son podcast s'appelait Hortense Pia. Et elle avait organisé un cal. Comment ça s'appelait? Je l'ai noté. Hortense fait son cinéma. L'idée, c'était de tricoter un patron qui nous avait été inspiré ou dont voilà, qui nous avait été inspiré par une série, un film. Et donc, il fallait chercher sur Ravelry si on trouvait un patron ou on pouvait sinon le créer. Et moi, j'étais partie d'un pull que j'avais vu dans la série Friends que Monica. Et donc j'avais créé ce patron qui est un pull crop, voilà, avec des petits détails sympas. Je vais essayer de vous montrer. Donc avec un rabat, vous voyez, en fait il est en forme de je sais pas comment dire, tulipe je crois. Je sais pas, je joue avec mon bras, c'est pas évident. Et c'est pareil sur ici. Là, j'avais testé un rabat. En fait, on le replie et on le coud à l'intérieur. Ce qui fait des finitions vraiment clean. Et les manches sont très larges, comme sur le patron. Et j'avais écrit le patron. Et j'avais fait tester le patron, d'ailleurs, aussi. Mais je ne l'ai jamais sorti. Et l'encolure est très large. Et il y a un petit rouloté, là, que j'aime beaucoup pour la finition. Il y a des rangs raccourcis et en fait j'avais fait des pinces pour vraiment l'élargir, vous voyez on les aperçoit les pinces, pour vraiment l'élargir et lui donner une forme tulipe comme ça. Donc c'est un pull que je mets souvent à cette époque là, en automne, et que je mets en superposition, vous voyez là je le mets en superposition avec une tunique assez longue qui est sans manches d'ailleurs, et j'aime bien.
Voilà, le collier que je porte aussi est fait main. Voilà. Je vous montre. Avec des perles bronze et des perles gouttes, comme ceci. Je sais pas, la lumière n'est pas très belle là. Il fait très gris aujourd'hui, mais je l'aime bien. Voilà ce que je porte. Et je sortirai pas, je pense, ce patron. Je pense que peut-être je le reprendrai comme base pour faire autre chose. Parce que j'aime bien. J'aime beaucoup son encolure très ronde. Je l'aime beaucoup, je le trouve très féminin. Donc je reprendrai peut-être l'encolure, mais j'aime moins en fait. Je le trouve un peu large en fait. Il faudrait une encolure plus creusée. Et je le reprendrai peut-être comme base parce que j'ai une idée de pull un peu plus long. Et voilà, donc je sais pas, j'ai pas décidé. Je me suis dit que peut-être un jour je le referais pour moi en noir. Et puis ben, je l'ai pas fait pour le moment. C'est pas grave, j'ai d'autres idées. Alors, le challenge créatif de la semaine. Ben, je l'ai pas du tout relevé. Si j'ai fait une chose, j'ai fait la photo que vous avez peut-être vue sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous mets le lien en dessous dans la barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur plus et puis vous avez toutes les infos pour me retrouver sur les réseaux. Donc j'ai très envie, ça fait un moment que je vous en parle hein, dans mes journaux créatifs, de participer au cal Socks in the Mug de Birouligame et le nid de la linotte. Donc ça y est, j'ai fait la photo. Je vous la mettrai peut-être si j'arrive à l'intégrer là avec l'idée. Mais j'ai pas eu le temps de commencer à mettre les chaussettes sur mes aiguilles. C'est pas grave, peut-être là je vais le faire aujourd'hui. Donc l'idée c'était ouais, de les monter, de monter les premières mailles. Donc c'est pas encore fini la semaine, hein, donc je l'aurais peut-être fait ce challenge créatif, je ne sais pas. Mais je me stresse pas parce que plein de trucs à faire en ce moment. Et surtout, j'ai besoin de me reposer. Donc, du coup, bah, je me repose et j'ai beaucoup moins tricoté cette semaine. Il faut dire que j'ai eu pas mal de choses dont on va parler dans la partie news société. L'ouvrage terminé. Ok. Je vous le montre. Donc, ceci. Et le. Eh, je me rends compte que j'ai pas mis le la pampille au bon endroit. Oh la loose. Ah, faut que je l'enlève. Ah bah elle est pas mal celle-là. J'adore. Regardez. En fait, c'est parce que je l'ai. Elle est pas du tout au bon endroit. Bon, c'est pas très très grave. Ah, ça fait un style, hein. En fait, je l'ai. Pour pouvoir la mettre, je l'ai mis comme ça sur un. Je l'ai mis sur un cintre. Pour pouvoir la placer. Et sur le cintre, ça me semblait naturel, vous voyez qu'elle soit là. Et en fait, le patron du châle se termine par une bande qui est plus verticale et qui effectivement finit pardon, qui finit la torsade. Et la pampille est pas au bon endroit. Je vais la déplacer, vous inquiétez pas. Mais je trouve que ça lui fait, ça lui donne un charme, il y a toujours un truc comme ça. C'est rigolo. Toujours un fil qui reste, un truc, un petit couac. J'adore, ça me fait marrer. Bon, alors, ce modèle, c'est le Aura Shawl de Kathleen Hunter. Que j'ai tricoté. Alors, je l'ai tricoté assez rapidement. Je l'ai tricoté en un mois, mais en fait. Je l'ai commencé assez rapidement avec cette couleur parce que j'avais très envie de la tricoter et je vais vous dire laquelle c'est après. Et puis ensuite, j'avais commencé les quelques rangs là. Et puis je l'ai mis en stand-by parce que j'avais le design plus le versimon qu'il fallait que j'avance et donc que j'ai pas pu avancer plus. Et puis ensuite, je me suis dit, il faut vraiment le terminer. Pourquoi? Parce que je voulais mettre le pull, le, pardon, le châle du cal mystère Steven West sur mes aiguilles. Donc du coup, je l'ai un petit peu carburé pour pouvoir le terminer. Donc c'est un châle qui se tricote rapidement, hein, faut quand même se le dire. Même si les derniers rangs sont c'est assez long, je crois qu'on doit avoir 300 ou 400 mailles à la fin. Donc il se tricote par en haut, c'est un châle triangulaire. Il se tricote, on commence tout simplement ici, on installe cette torsade qui est une torsade contrariée, mais j'en dirai pas plus. Je pense qu'il faut que vous alliez voir
le patron pour pouvoir comprendre comment ça se fait. Il ne faut pas trop non plus divulgacher, c'est mon grand mot en ce moment parce que j'en ai marre du mot spoiler, en fait, disons-le en français, même si. Enfin, j'en ai pas marre, hein, je le dis aussi, mais voilà, divulgacher, je trouve que ça veut tellement dire ce que ça veut dire que j'aime bien. Donc ensuite, on fait une partie assez simple et puis on fait une transition que je trouve très chouette. J'aime beaucoup cette transition où on insère ses couleurs. Alors, j'étais assez étonnée. Enfin, d'abord, je continue sur la construction, après, je vous dis. Ensuite, on met une partie de dentelle très très simple à faire et donc à retenir. Ensuite, sous les petites pampilles, on reprend à nouveau la transition, vous voyez, avec les deux couleurs contrastantes. À nouveau, une grande partie de dentelle. Et puis ensuite, on ne refait pas de rayures, on repasse en couleur contrastante qu'on a mis au départ. Pour pouvoir terminer le châle. Moi, j'étais persuadée qu'en fait, on allait remettre les couleurs 2 et 3, qui sont donc mon violet et mon vert. Mais en fait, non. Donc, on termine avec cette couleur que j'aime beaucoup. Et on fait des côtes que j'aime beaucoup aussi. Voilà, alors j'ai été un petit peu contrarié en fait que mes deux couleurs contrastantes ne soient pas plus présentes sur le châle. Ce qui fait que j'étais bien contente de les remettre à la fin dans les petites pampilles. Alors il y a un petit tuto pour faire ça dans son patron. Moi je ne l'ai pas suivi. Et alors elle dit qu'il faut les faire avant de bloquer, ce que j'ai pas fait non plus. Moi, j'ai fait mes pampilles après parce que je voulais vraiment bloquer le châle et lui donner sa forme. C'est pareil, il y a pas mal de personnes, notamment on avait fait un petit cal là sur un groupe Instagram pour faire le cal, une sorte de mini cal ensemble. On avait peur au départ que le châle soit petit. En fait, non, hein, il n'est pas petit. Hein. Quand on le bloque, comme on tricote un peu en déjaugé, il n'est pas du tout petit. Moi, je trouve qu'il a une bonne taille. Je le trouve joli. En fait, je laissais devant vous avec la pampille qui est pas du tout au bon endroit. Oh, ça fait tache. En fait, la pampille, elle va se retrouver comme ça. D'ailleurs, il faudra que je la refasse et je pense que je vais même la faire un peu plus longue. Parce que je trouve ça très joli. On n'en met qu'une. Hein. Voilà. Voilà. Donc, moi, je suis contente d'avoir mis ça parce qu'en fait, je trouve que. Quand je l'ai bloqué, j'ai trouvé que je trouvais terne en fait, un peu. Il a un côté un peu terne, hein, mais un côté aussi un peu automnal que j'aime bien. Et je pense qu'il fallait vraiment le réveiller avec les couleurs. Et c'est joli comme ça. Douk. Ah, il faut quand même qu'on admire notre tricot. Hein. Donc, je vous le montre. Moi, j'aime beaucoup la partie des côtes à la fin. Je trouve que le choix de points, en fait, même s'il est très simple, est très réussi dans ce châle. Je trouve que l'agencement des sections est très beau. Donc, après, c'est un châle bavoir, comme certains l'appellent. Moi, je ne trouve pas que ça fasse bavoir. On a fini de porter des bavoirs. Hein. J'aime beaucoup moi parce que ça tient chaud ici et comme j'aime bien mettre des pulls qui sont un peu dégagés, bah quand on sort en fait c'est plutôt sympa. Et puis après rien ne vous empêche de le décaler un peu pour faire un effet. Enfin c'est pas quelque chose que je fais moi en fait. Je dis qu'il ne faut pas hésiter à le faire mais je le fais pas. Je trouve ça moins joli. Je trouve que en fait là ce que j'aime dans ces formes-là c'est qu'on déploie bien, on peut l'étaler et du coup on voit vraiment les défauts et on voit vraiment le point qui a été fait, qui a été conçu pour le châle. Chose qu'on voit moins quand on a un châle qui est très long et qu'on entoure comme ça, du coup les différentes sections s'aperçoivent moins. Donc c'est un choix. Après c'est vrai que je porte pas mes châles comme ça. C'est pas quelque chose que je fais. Je me sens pas. En fait, j'ai vraiment envie qu'il m'échauffe là. Et puis, ouais, je le fais pas. Je le fais sur avec quand ils sont très grands, en fait.
je le fais, ça m'arrive. En fait, je les commence par à les mettre comme ça, puis ensuite je les entoure comme ça. Ça, oui, je peux le faire. Mais quand ils sont courts, je le fais pas. Et vous, vous le faites? Dites-moi. Ça m'intéresse de savoir comment vous portez vos châles. Allez, on parle d'Hélène, parce que c'est important quand même, c'est ce qui fait aussi la beauté des projets. Donc, dans ce châle, il y a mes deux tricopines, Marilyn et Afro-Bohemian Knit, c'est ça, ouais. Et Sylvette, Silou M, parce qu'il y a deux écheveaux qui m'ont été offerts pour mon anniversaire cette année par Marilyn et Sylvette. Il y a donc Marilyn m'a offert celui-ci qui est de la 6 and 7, c'est ça, 6 and 7 Fiber Milo. Et le coloris, c'est To the Library. Alors, je regarde juste la composition, vérifier la composition des 6 and 7 Fibers. Donc, ça, en fait, c'est un mélange mérino et nylon. Ensuite, il y a le vert, là, qui est le vert d'arrêt de Tôt le matin. En Totsock Light, le vert. Là, il est très beau, ce vert. Vous allez le revoir parce qu'il m'en reste beaucoup. Forcément, j'en ai pas beaucoup mis, là. Donc celui-ci, c'est vert d'arrêt, il est un peu plus épais que les autres, mais en fait ça se voit pas forcément. Il y a celui qui m'a été offert par Sylvette, Silou M, c'est le violet qui est là, et j'aime beaucoup son nom, c'est de la Trélise Merino Single, non. Non, c'est pas de la single. C'est de la Trélise qui est retordue. Ah, je sais plus les bases là de Trélise. Bon, bref, c'est pas grave. Je me suis trompée sur mon Ravelry, il faut que je change. C'est pas de la Merino single. Bon, c'est pas grave. Et c'est le coloris ici. J'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup ce nom. Voilà. Parce qu'on est ici et maintenant et c'est ça qui est le plus important. Hein ? Et ici, bah, ici, voilà. Et en dessous de ici, donc là, il y a de la pelote vagabonde Baluchon. Baluchon, coloris brown, j'ai noté, je ne sais pas. En fait, j'ai pas le nom, mais je pense que c'est coloris marron. Et c'est aussi un mélange avec du nylon. Elle est très douce. Elle est vraiment très douce. Et alors, dans les pampilles, j'ai coupé en fait des brins. Alors, j'ai coupé des brins de, je dirais, 40 cm que j'ai pliés en deux. J'ai pris à chaque fois deux couleurs que j'ai pliées en deux. J'ai pas suivi le tuto en fait qui est donné dans le patron. J'ai suivi celui que moi je fais normalement parce que j'aime bien, parce qu'il se fait correctement ici. Vous voyez, ce qui est joli en fait dans les pampilles, c'est d'avoir cette partie-là aussi, qui soit bien faite, là, vous voyez. Sinon, ça va pas. Je trouve que c'est pas joli parce que du coup, ils se mettent pas correctement vers le bas. Donc là, ce qui est sympa, c'est de pouvoir avoir des pampilles correctes. Mais vous voyez, celui-là, là, j'ai pris le brin en partant du milieu du cake et du coup, il rebique. C'est moins joli. Après, j'ai pris ensuite les brins qui étaient à l'extérieur. Et donc, j'ai fait un mélange parfois du violet. On retrouve un peu toutes les couleurs. Voilà mon châle. Je crois que j'ai tout dit. Les explications sont vraiment extrêmement claires. Il n'y a rien d'obscur. Le seul truc qui est obscur, en fait, c'est le... Comment ça s'appelle ? L'échantillon. Et en fait, il faut se décontracter avec ça et suivre bien prendre les... La taille d'aiguille qui est préconisée. Moi qui tricote lâche, je vous avoue que quand il a fallu que je prenne du 4 pour tricoter de la fingering, je me suis dit ça va être terrible. Et en fait, c'est un petit peu déjaugé, mais c'est comme ça. Ça fait partie du patron et en fait, ça va. Hein. Mais il est très, très souple, très léger. Alors, il me reste... combien j'ai utilisé, si ça peut peut-être vous intéresser. Mais je l'ai noté de toute façon dans mon Ravelry. J'ai utilisé... alors, pour les deux couleurs principales, on va dire, hein, surtout, parce que le reste, j'ai quasiment rien utilisé. J'ai dû utiliser 12 grammes des couleurs contrastantes. Pour la 6 and 7 Fibers, j'ai utilisé
75 grammes, quand même. Et pour la pelote vagabonde, j'ai utilisé 73. Donc voilà, il reste 25 grammes de chaque. Et pour le reste, chaque fois je vous dis, c'est 12 grammes et 10 grammes. Donc on n'est pas... C'est comme ça, donc n'hésitez pas à prendre les restes, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, allez, on passe à la suite, parce que là, ça va durer des heures. Hein. Je sais que vous aimez bien ça, mais quand même, j'ai d'autres choses à faire. Ouvrage en cours. Alors, l'ouvrage en cours. Je ne vais pas vous montrer tout de suite le Sleep Stravaganza de Stephen West. Je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, pour le moment, vous pouvez continuer à regarder si vous ne voulez pas vous faire divulgâcher. Hein, on continue. Il y a juste une personne qui doit arrêter de regarder. C'est ma belle-sœur, Marie. Si tu passes par là, on ne sait jamais. Je crois pas que tu regardes, hein, mais si tu passes par là, tu vas à la section d'après. D'ailleurs, en dessous, je mets les compteurs, c'est-à-dire que vous avez en fait les time codes pour pouvoir ensuite retrouver pour chaque section les différentes parties. Donc, s'il te plaît, si tu n'as pas envie de te gâcher la surprise pour Noël, ne regarde pas cette section et passe à la suivante. A tout de suite. Alors, puisque vous n'êtes pas ma belle-sœur, bon, je vais vous parler du Plumpy-Shawl, qui est aussi ce qu'on appelle un Caston, un montage de cette semaine. Donc un caston de cette semaine que je tricote. Oh là 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 là. J'ai galéré avec, la mise en cake de certains. Alors attendez deux secondes, je rembobine mes cakes parce qu'il y en a un qui est complètement défait. Alors je le tricote avec ce très joli combo de Trélise. Oui, je suis une fan inconditionnelle de Trélise. Vous avez vu, ils ont fait des portes ouvertes avec Nathalie de By Night, mais comme ça. Comme c'était beau, leurs deux stands avec deux vraiment univers très différents. Comme j'aurais aimé y aller, tout était tellement beau. Donc voilà, j'étais un peu envieuse, j'avoue. Et puis ces deux personnes que j'aime beaucoup, donc voilà. C'est pas grave. Et donc c'est les trois couleurs que j'utilise pour faire ce châle. Je vais essayer de vous dire dans l'ordre les couleurs. Les couleurs du Plumpy, ce que je les ai notées là. Sinon, je vous les dirai la prochaine fois. Oh là là. Alors, il y a trois couleurs, mais je sais pas laquelle est laquelle. Ah, mais si, je le sais, puisque j'ai les photos. Alors, attendez deux secondes. Chaos is a Ladder. La Bluebird. Et la Driving Barefoot After Rainback. Voilà. Et c'est à chaque fois en Hera High Twist Fingering. Voilà, donc c'est le Merino Superwash. Et avec ça, je tricote. Ah, ça tombe. Le Plumpy Shawl. J'ai commencé, j'ai fait les sections 1 et 2. Donc c'est le Plumpy Shawl de Andrea Mori. Dans ce string, hein, c'est ce qu'on appelle. Ça fait vraiment slip. Devant de slip, hein. Mais pour homme. Devant de slip pour homme. Franchement, pour le moment, ça fait ça. Je m'éclate. Bref. Alors, c'est un châle qui se commence par la pointe et qui, en fait, va prendre une forme triangulaire. Mais pas... C'est un triangle asymétrique. Voilà, je cherche mes mots. Il se tricote en point mousse et en brioche bicolore. Recto verso. Et alors là, pour le moment, mais c'est le kiff. Alors, j'ai la section 2. Alors, j'étais très contente d'aller dans la section 2 de la brioche. Je l'ai fait dans le train hier. Et donc, j'ai fait toute la section 2 dans le train. C'était voilà, deux heures de train retour. Et un peu à l'aller aussi. Et c'est trop chouette. Avec des augmentations dans la brioche par ici et des diminutions dans la brioche par là. Et alors, j'ai déjà tricoté. Comment il s'appelle?
C'est le What the Fade que j'ai tricoté en brioche d'André Amaury. Et c'est d'ailleurs avec ce patron d'André Amaury que j'ai appris à faire la brioche. Et maintenant, c'est un de mes points préférés parce que je trouve que très intéressant à tricoter. C'est très automatique, mais en même temps, il faut rester concentré. Et donc, du coup, c'est très apaisant parce qu'on ne peut pas penser à autre chose qu'à ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment très beau. Puis alors, en plus, le résultat est extrêmement joli. D'un côté comme de l'autre. C'est vraiment un chat qui va pouvoir se porter des deux côtés. Et ce patron, il est vraiment bien. En revanche, je le trouve moins simple parce qu'il n'y a pas de tuto. Enfin, là, j'en ai pas vu, hein, mais peut-être. Peut-être qu'il y en a un quand même, mais je l'ai pas vu. Il n'y a pas de tuto dans le patron qui explique comment faire la brioche. En revanche, les explications sont en anglais. Mais si vous n'avez pas les codes, vous allez être perdu. Donc, je vous conseille d'aller voir quand même des tutos pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, je voulais vous montrer aussi un peu les anomarqueurs que j'ai, qui sont des anomarqueurs que j'ai faits et que j'aime beaucoup. Ils sont tout simples, mais je les aime beaucoup. Alors, les feuilles sont à l'envers, là. Voilà, elles sont comme ça. Je trouve ça dommage d'ailleurs que cette breloque ne soit pas réversible. C'est dommage. J'aime pas ça quand les breloques sont pas réversibles parce que nous, ça bouge beaucoup. Hein, donc, c'est mieux quand c'est réversible. Voilà. Donc, franchement, les deux premières couleurs, pour le moment, j'ai mis ces deux-là. Donc, ça, c'est Driving Barefoot After Rainback. Et ça, c'est Chaos is a Ladder. Et franchement, elles vont très très bien ensemble. Et après, donc là, je vais continuer maintenant la section 3 avec cette couleur. Et après, je rajouterai celle-là. Et ça va changer le chien, mais je pense que ça peut être vraiment très bien. Elle a choisi, c'est pas moi qui ai choisi les couleurs, c'est ma belle-sœur. Et franchement, je pense qu'elle va être trop contente. Parce que le rendu est vraiment très très beau. Donc je suis contente de pouvoir lui faire plaisir. Ça va être chouette comme cadeau, hein. C'est un beau cadeau de Noël. Parce que trois échevaux de Trélise dans cette belle qualité, c'est un beau cadeau. Voilà. Alors maintenant, on passe au futur projet. Je vous montrerai le début du châle de Stephen West après. Futur projet que je vais tricoter avec ce fil qui est de la West Yorkshire Spinners que j'ai acheté sur le site Lendésil. Oui, sur le site Lendésil. Il y a un moment déjà, l'année dernière. Et c'est de la DK en BFL. Alors, pour le coloris, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pas 0 ou 2. Parce qu'il y a plusieurs indications, mais il n'y a pas de nom de couleur. Bon, c'est un jaune moutarde. Très beau. Et je vais faire le gilet Marican. Comme ça, d'Isabelle Kremer, qui est pour moi vraiment un basique. Il y a juste un petit fun avec de la dentelle sur le devant. Et ouais, je suis contente parce que j'ai pas cette couleur en fait. Et j'ai un gilet du commerce dont j'aimerais bien me débarrasser parce qu'il a vécu, qui est dans cette couleur. Et en fait, j'ai des t-shirts qui sont turquoise avec du jaune. Et en fait, ça va très très bien avec cette couleur-là. Et en fait, c'est une couleur qui me va pas trop mal au teint, je trouve. Surtout si je la mélange avec du bleu. D'ailleurs, vous allez voir en ce moment, c'est que ces couleurs. C'est bleu, bleu turquoise et jaune moutarde. Là, on est à fond. C'est mon trip du moment. Et donc, je me dis, voilà, ça va être sympa. Ça va être sympa comme ça. Puis avec par exemple, une robe dans les tons bleus, ça va être bien. Donc ça, je vais faire l'échantillon ce week-end. Parce que j'ai vraiment envie de le monter. Et je me suis dit, pendant un moment, je me suis dit, allez, arrête, retiens-toi. T'as déjà, en plus, surtout, j'ai un design de pull pour moi. Sur mes aiguilles, mais en fait j'ai trop envie de le faire, donc même s'il avance lentement, il y a des moments comme ça où je multiplie les encours et là j'ai envie, donc je vais le monter. Allez, on va parler d'un cal, et donc le MCAL, spoiler alert, divulgachage. J'ai fini la première partie et le bonus qui nous a été envoyé lundi, je crois. Et je suis complètement in love du rendu, donc je suis trop contente. On a reçu la seconde section hier, mais moi je l'ai pas commencée. Apparemment, elle est beaucoup plus zen à faire. Alors donc, si vous voulez pas regarder et ne pas être spoilé, n'hésitez pas à aller à la section d'après qui sera les coups de cœur patron. Et sinon, c'est parti, je vous montre ma première partie du châle.
que je n'ai pas bloqué pour moi. Certaines personnes l'ont bloqué, moi je ne l'ai pas fait. Voilà la première partie du Sleepstravaganza Châle de Steven West. C'est génial. Alors, la première partie, c'était celle-ci, en fait, avec des sections qui sont raccourcies, là, qui font des sortes des alvéoles, en fait, hein, de, ça s'appelle honeycomb, donc des alvéoles d'abeilles, de, hein, voilà, de ruches. Effectivement, ça ressemble beaucoup, avec deux couleurs contrastantes en dessous. Alors moi, ce que j'aime dans le mien, c'est que vous voyez là, dans la partie, dans ce coloris d'Arco Irisiarm, j'ai du bleu à certains endroits. Là, vous voyez, j'ai des speckles de bleu. Et c'est trop chouette. Donc j'étais contente, en fait, de mon choix de couleur. Il nous dit que il faut qu'on mette de côté celle qui contraste le plus avec la couleur principale. Donc moi, c'est celle-ci. Et donc je l'ai mise de côté dans cette partie-là. Et ensuite, quand on a fini, on va remonter. Alors, je vais peut-être vous dire comment se construit la partie d'abord, la première. Alors, au début, on commence avec un I-cord de la mort. Comme ça, tout le long, là. Cet I-cord-là, on le construit au tout début. Avec 3 mailles seulement. Hein. Et ensuite, on va relever les mailles sur l'I-cord pour pouvoir ensuite faire des mailles glissées. Ces mailles qui sont là, en fait, ne sont jamais tricotées. Je peux passer mon doigt en dessous, vous voyez. Je passe mon doigt en dessous. Et on tricote, en fait, simplement des rangs. Il n'y a qu'une seule couleur à chaque fois. Mais on glisse des mailles. C'est pour ça, hein, qu'il appelle ça le Sleepstravaganza MKL. C'est qu'en fait, on va faire beaucoup de mailles glissées dans ce châle. Ensuite, voilà, donc on fait aussi des diminutions ici. Donc forcément, à la fin, on se retrouve à avoir juste cette partie-là. Là. Et ensuite, il nous propose, et alors merci parce qu'il nous fait une super vidéo qui nous explique comment faire. Moi, j'ai même pas lu les instructions, en fait, pour cette partie-là. J'ai regardé sa vidéo et j'ai suivi ses instructions pour ensuite remonter les mailles ici, le long des bordures. Et donc, ça crée des trous aussi. Là, on peut mettre les draps. Et ensuite, on fait... Pardon. Et ensuite, on va enfin mettre nos deux couleurs qui contrastent le plus. Donc, notre couleur principale et la couleur qui contraste le plus. Pour faire à nouveau des mailles glissées et former cette partie-là. On fait des augmentations aussi de ce côté-là, ce qui construit à nouveau des nouvelles mailles glissées sur les bords. Alors pour les bordures, juste parce que ça peut, c'est pas forcément ce qui est le plus facile à faire, il nous explique comment faire pour... quand est-ce qu'il faut couper le fil, ici, là, notamment, on explique comment couper le fil, non, là, et comment suivre, il nous met des liens vers sa méthode pour pouvoir les emmener derrière. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais j'ai pas coupé les fils encore, mais j'ai quasiment rien à rentrer, en fait, hein, pour être honnête. Voilà, donc pour le moment, je suis très contente du résultat. Je pense que c'est un châle qui en fait, va se construire comme ça. Et qu'on pourra en mettre comme ça. Alors, quelle forme il va avoir au final, on ne sait pas encore. Voilà. En tout cas, moi, il n'est pas pour mon chat. Parce qu'il a mis des photos. Il a partagé des photos où il y a des gens qui mettent ça autour de la tête de leur chien, de leur chat. D'ailleurs, sur Instagram, là, les filles, elles ont fait ça aussi. Voilà. Donc, c'est très chouette. Pour les couleurs, mon bleu, là, c'est de la pomme de laine. J'ai déjà bien entamé, hein. Parce que quand on regarde le jaune qui est quasiment pas entamé, quand même il est bien entamé celui-là. Le jaune, c'est de la Maruma Yarns. Celui-ci, c'est de la... Comment ça s'appelle? Ah, mais viens Joseph si tu veux. Viens si tu veux. Viens, à côté de moi. Tu peux rester à côté de moi. Hein. Celui-ci, c'est de la... Oh, comment il s'appelle? Fiber Spades. Fiber Spades, je sais plus quoi. Allez, je vais faire l'échantillon ce week-end. J'ai déjà montré. Et ça, c'est de la Arcorisian. Voilà, mes quatre couleurs. Alors, sur la prochaine section, il nous propose de rajouter des couleurs contrastantes. Et je vais peut-être le faire. Je vais voir en fonction du feeling. Voilà. Allez, on a fini avec le spoiler. J'aime pas, ça fait comme ça, là. Ça fait du blanc, j'aime pas.
Tu veux dire quelque chose? Alors, on va parler d'une sortie de... non, d'un coup de cœur patron. Alors, le coup de cœur patron, c'est un patron couture. Tu fais pas des allers-retours, Joseph, hein? On est d'accord? J'ai bientôt fini. Donc, le coup de cœur patron, c'est pour un des trois patrons qui est sorti de Direndo en couture. Et moi, celui que j'aime beaucoup, c'est le sweat neige. Mais pas celui... Pas, en fait, quand j'ai vu au début, je me suis dit ça me plaît pas trop parce que j'ai vu la première version qui est blanche et qui a un col qui est très évasé et droit. J'ai pas trop aimé. En revanche, il y a un col tout simple, plus près du cou, voilà, qui me plaît beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'emplacement des manches. Donc celui-là, j'aimerais bien, je me l'achèterai peut-être, je vois. Mais je l'aime beaucoup, je sais pas si vous avez vu la nouvelle collection. Sinon, il y a dans les trois pièces, il y a aussi un pantalon et une robe. La robe, elle a l'air assez jolie, mais j'ai pas regardé en détail. Je crois qu'elle s'appelle Passiflore, le pantalon, je sais plus. Mais ouais, c'est assez sympa le sweat. C'est très à la mode les sweats, et c'est vrai que c'est très agréable à porter avec un jean, c'est cool. Coup de cœur podcast. Alors, je vous en ai déjà parlé. Mais j'avais envie de vous pousser vers vous le vlog octobre de Mimi, du chez Mimi, chez Mimi, que j'aime beaucoup. Alors j'ai pris un peu de retard, mais je vais les regarder là. Et j'ai vu qu'elle commençait à montrer ses châles, et d'ailleurs elle a fait une vidéo aussi que j'ai pas fini de regarder, elle est en cours. Une vidéo spéciale châle que je trouvais super sympa, ça m'a donné presque envie d'en faire une aussi. Vous me direz si ça vous intéresse, mais j'ai peut-être... Je ne sais pas si j'en ai assez, j'en ai moins qu'elle, des châles, mais j'en ai quelques-uns que j'aime bien. Mais j'en ai moins, donc je me dis peut-être qu'il faut attendre quelques années pour que je vous fasse une vidéo spéciale châle. Elle, c'est une tricoteuse de châles. Puis alors, elle a des modèles super chouettes. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Allez voir sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. On parle d'une série sur Netflix que je suis en train de regarder, j'ai pas fini, mais alors c'est un gros coup de cœur, donc je voulais vous en parler. C'est la série Suits, S-U-I-T-S, qui est sortie il y a pas très très longtemps, je crois. Bon, elle est dans les séries les plus regardées sur Netflix, hein, donc vous allez la retrouver. C'est l'histoire de deux avocats. Ça me fait penser un peu à Ally McBeal, mais de façon... plus actuelle, quoi. Et c'est pas l'histoire d'une femme, c'est plutôt l'histoire d'un jeune homme, enfin de deux personnages très intéressants, extrêmement intelligents. Et je trouve ça à la fois marrant, je trouve que c'est intéressant sur l'univers, c'est bien joué et c'est bien fait. Vraiment, c'est très très bien fait et voilà, c'est déroutant, mais c'est chouette. Les personnages des femmes sont aussi très très intéressants, donc je vous conseille d'aller voir. Je vais vous parler aussi d'un livre, puisqu'on m'a demandé d'ailleurs, mais alors tu lis plus? Alors, j'ai écouté un livre qui m'a beaucoup plu, ce qui fait que je l'ai acheté pour pouvoir l'offrir dans un des cales que j'organise. Non, dans un des swaps auxquels je participe. Non, c'est pas du tout ça. Dans un des calendriers de l'Avent que je fais. Je vais y arriver. J'y arrive, oui. Et donc, c'est ce livre, L'aube sera grandiose, d'Anne-Laure Bondou, que j'ai écouté sur Audible et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est... Alors, c'est très bien lu. J'ai pas noté le nom de la personne qui l'a lu. Attendez. Bon, je suis allée sur l'appli, mais j'arrive pas à trouver le nom, donc je l'écrirai en dessous. Donc c'est lu par cette personne-là, c'est très bien lu. C'est une femme qui le lit, et de toute façon c'est un parcours dans le temps. C'est une histoire qui se raconte à plusieurs périodes de la vie de cette femme. Et c'est très bien fait, c'est très bien amené. On comprend les choses petit à petit. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière, quoi, la quatrième de couverture. Ce soir, Nine, 16 ans, n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa mère, en a décidé autrement. Elle embarque sa fille vers une destination inconnue, une cabane isolée au bord d'un lac. Il est temps de lui raconter l'existence d'un passé qu'elle lui a soigneusement caché. Commence alors une nuit entière de révélations. Et quand l'aube se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant.
Donc, à nouveau, c'est une histoire de femme très bien écrite et ça me touche en ce moment. C'est vrai que ce sont des livres souvent qui me plaisent. Ça m'a... Alors, la dernière fois, je me souviens que Chloé de Pelote et Repelote m'avait demandé si j'avais été émue jusqu'aux larmes. Oui, à un moment là, j'étais pas loin de pleurer hein, quand j'ai écouté parce que vraiment, c'était bien amené et j'ai trouvé que c'était beau quoi. Et c'était beau. Je trouve que les personnages sont intéressants et chaque personnage est respecté dans les fratries, chaque personnage est touchant. Et j'aime beaucoup l'ambiance en fait qui en est ressortie. Une ambiance très douce. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont les chapitres se sont construits. Et pas qu'à l'intérieur du chapitre aussi, on traverse, on revient en arrière, on va dans le futur, enfin voilà, on raconte l'histoire dans le temps. En plus, la personne Titania, c'est une. Elle est écrivain, elle est auteur-écrivain, donc du coup, la relation avec sa fille, tout ça, c'est chouette, quoi. J'aime bien. Voilà. Et je vous n'en dirai pas plus parce que sinon, je vous raconterai l'histoire, donc c'est vraiment très très bien. Voilà, donc ça, je vous le conseille. Et j'ai acheté pour lire pendant les vacances ce livre-là qui m'a été conseillé par une amie, Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin. Et c'est pareil, c'est un parcours de vie. Je peux vous lire la quatrième de coup. C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils, une histoire d'amour. Les années passent et les enfants grandissent. Ils choisissent ce qui a de l'importance à leurs yeux et ce qu'ils sont en train de devenir. Ils agissent comme des hommes et pourtant ce ne sont encore que des gosses. C'est une histoire de famille et de conviction, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de trois hommes. Laurent Petit-Mangin, dont ce premier roman fulgurant, dénoue avec une sensibilité, une finesse infinie le fil des destinées d'hommes en devenir. Alors, elle me l'a vraiment conseillé, elle a été vraiment touchée par ce livre. Donc, je vais le lire. Alors, moi, je suis pas en vacances la semaine prochaine, mais la semaine d'après, j'ai une semaine de vacances dans laquelle je vais essayer de descendre dans le sud. Oui, je croise les doigts pour voir mes parents, parce qu'ils me manquent. Et je vais emmener ce livre-là avec moi. Voilà. Allez, on parle aussi de magazines. J'ai acheté le dernier, La Maison Victor. Donc, c'est celui de septembre-octobre 2020, numéro 5. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas acheté parce que je trouvais que le patron n'était pas forcément super cool. Mais là, il y en a plusieurs qui me plaisent. D'ailleurs, j'ai préparé. Donc, je vous montre. Alors, dans mon idée de sweat, il y a celui-ci. Alors, j'aime pas du tout le tissu avec lequel il est fait. Mais j'aime beaucoup la simplicité de la confection, à mon avis, qui peuvent se faire en une après-midi. Et il est unisexe, la version pour homme que mon homme ne portera jamais, mais je me dis que pour mon fils Simon, ce serait top. Donc j'essaierai peut-être d'acheter un tissu pour le faire pour lui. Voilà. Le col est dans ce tissu-là, j'aime pas. Je trouve pas ça joli. Je pense qu'il faut vraiment un tissu sweat plus classique. Je pense que ça sera plus fun. Donc je le ferai peut-être. Ensuite, il y a aussi cette robe. Alors là, c'est clair qu'il faut absolument que je trouve le tissu qui va aller avec. J'ai vraiment très envie de la faire. C'est la robe Ursula. Elle est très très belle. Je vais essayer de vous montrer une autre photo en pleine page. Il y en a une. Non, il n'y en a pas. Zut, bon, c'est pas grave. Vous l'avez vu, hein. La robe Théa aussi est assez intéressante. Bien qu'elle fasse plus classe et moi je suis moins fan. Ou alors il faudrait la faire plus courte. Je la verrais bien plus courte. Mais j'aime beaucoup ses manches. Hein. Les manches sont très 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 belles. Les manches bouffantes sont très jolies. Mais c'est vrai que je trouve que les porter avec des tennis, ça casse le côté classe. Et c'est sympa. Non? Alors, ouais, il y a celui-là. Alors ça, je le trouve trop chouette. Je le ferais bien pour ma belle-sœur. Et même pour moi, je trouve ça trop rigolo. C'est vintage, mais c'est sympa. Le patron du capuchon. Alors, il y a la cape aussi. Ah ouais, la cape. Alors là, j'ai eu un gros coup de cœur pour la cape. Parce que là, il faut que je trouve je voudrais faire mon manteau d'hiver. Et la cape me plaît bien. Je la trouve très chouette, c'est la cape Sigrid. Et à mon avis, elle n'est pas trop compliquée à faire. En fait, j'ai un lainage noir et je trouve ça très sympa. Je pense que je le ferai peut-être avec.
Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon que j'aime bien? Bon, après, il y en a d'autres des patrons, hein, mais. Ah oui, j'aime bien la blouse Annie. Oh mince. Attendez, parce que j'ai des patrons qui se déplient. La blouse Annie. Mais j'ai peur que ça s'ouvre au milieu. Ce qui est sympa, c'est il y a des. Comment ça s'appelle? Des smocks sur les poignets. Et en bas aussi à la taille. Mais je pense qu'il faut avoir la taille fine quoi pour que ce soit joli. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Faut voir. Dans le même genre un peu, le chemisier aussi, qui est aussi sympa. Moi, je fais des jeux de mots hein, aujourd'hui. Alors le tissu, c'est pareil, j'aime pas du tout. Voilà. J'aime pas quand c'est trop chargé. Mais j'aime bien la simplicité. Je la trouve assez originale. Bon, bah, je crois que c'est tout. Ah non, il y en a un dernier aussi. Ah oui, le t-shirt Zeno pour homme que j'aime bien. Il y a des boutons là. Alors là, si je le fais pour mon homme, j'enlèverai les boutons. Mais le col est très haut. À voir. Voilà, c'était la petite revue de presse du magazine La Maison Victor. Allez, on passe aux news de la société. Alors quand même, il y a quand même eu pas mal de choses le week-end dernier qui fait que du coup j'étais crevée, hein, j'avoue. En fait, le week-end dernier, je pensais pouvoir me reposer dimanche et je ne me suis pas reposée du tout entre samedi et dimanche. Et après, j'ai enchaîné avec ma journée de boulot en doc et donc j'en pouvais plus, j'ai tiré la langue, j'avoue. Problème d'organisation hein, parce que c'est la première fois en fait que je sors une mini collection sur ma marque, ma nouvelle marque. Donc j'avais envie que ça se fasse bien et donc j'ai. J'étais un petit peu pressée par le temps parce que, comme j'ai eu des retards administratifs, j'ai pas pu vraiment me lancer dans la confection à temps. Et j'ai pas bien anticipé. Donc, ce qui fait que pour les prochaines, il faut que je m'organise un peu autrement. Bon, ça s'est bien passé, hein, tout s'est bien passé. Vous avez été au rendez-vous sur la collection et il reste encore quelques pièces d'ailleurs. Je vous mettrai le lien vers la petite vidéo pour vous montrer un peu les différentes pièces de la collection. Mais merci beaucoup pour l'accueil de la collection. Tous les sacs à projet sont partis, tous les anneaux marqueurs aussi. Donc je sais que c'est ça qui vous plaît. La prochaine fois, j'essaierai d'en faire un peu plus sur les prochaines mini-collections parce que je sais que vous aimez bien. Et le reste, bah, vous trouvez ça joli, mais généralement, ça part moins facilement, on va dire. Mais voilà, les petites pochettes. Je crois qu'il reste une pochette plate dans ma boutique. Un set rond là avec la bordure au crochet. Vous avez pris aussi quelques éponges biface, ça c'est sympa, j'espère que ça vous sera utile. Je pense que les colis qui ont été envoyés ont été reçus, donc voilà, je peux en parler. Les lingettes par contre, ah oui, d'ailleurs dans la vidéo je parle des lingettes, je dis que les petites lingettes je voulais les mettre à l'unité, mais ça j'ai changé, si je les ai laissées à l'unité, mais il y avait un problème dans les frais de port. Ce qui fait que quand vous en achetiez une, vous aviez des frais de port. Et ensuite, si vous en achetez une seconde, c'est-à-dire avoir deux lingettes, ben vous avez des frais de port en plus. Donc ça, je l'ai modifié. Donc maintenant, pour le même que vous en achetiez une ou vous en achetiez huit, ça ne changera pas pour les frais de port, pour les lingettes. Voilà, donc je vous montre parce que tout ça est en lien avec la sortie du patron du pullover Simon. Alors ça, c'est la version 10 ans. Qui est sorti aussi, le patron est disponible sur Ravelry. Et jusqu'à demain, vous avez un code promo de 15% pour acquérir le patron avec le code SIMON15. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est un patron de pullover que je vous ai déjà montré ici, qui est disponible de la taille 2 ans à 14 ans. Il y a une version homme qui arrive prochainement, peut-être en fin de mois. Voilà. Donc c'est un patron qui se tricote en une seule pièce, c'est ça qui est assez intéressant. Et il est accessible aux débutants qui ont envie d'un peu de découvrir des nouvelles expériences. Franchement, n'hésitez pas, le patron est extrêmement clair avec les testeuses. On a bien travaillé pour que justement il soit vraiment abordable pour tout le monde. Et je pense qu'on a réussi en fait à en faire un patron qui est vraiment un basique pour vos garçons. Ouais. Vous pouvez très bien le tricoter pour une fille. Hein. Moi, la version homme, je peux la mettre. Donc, ça fonctionne aussi. Après, j'ai pas fait d'ajustement poitrine, tout ça. Donc, du coup, c'est plutôt pour les morphologies avec peu de poitrine. Donc, c'est un pull qui se commence d'en haut. On commence par un montage tubulaire.
et on tricote directement les côtes, donc pas besoin de relever les mailles pour ensuite finir le patron, hein, finir l'ouvrage. Donc on tricote, on fait quelques rangs raccourcis sur le dos et on installe le raglan. Alors, il y a un tableau de raglan pour chaque taille. Et quand je dis chaque taille, c'est la taille 2 ans, la taille 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 16 ans. Donc, il y a un tableau de raglan. On a fait en sorte que le tableau de raglan soit clair, nickel. L'idée, c'est qu'on a fait un tableau de raglan aussi pour que, à ce stade-là, on se retrouve sans interruption du motif sur les côtes quand vous reprenez en rond le corps. C'était l'idée. Donc du coup, pour chaque taille, bien suivre le tableau de raglan, vous pouvez cocher à côté et tout va bien se passer. À chaque fois, je vous mets le nombre de mailles. Voilà. Donc n'hésitez pas à recompter. Mais vraiment, si vous suivez les indications, ça va bien se passer et c'est chouette. Ensuite, sur les manches, vous avez des color blocks. Enfin, c'est un color block. Vous n'êtes pas obligé de le suivre, le color block. Hein. Vous pouvez faire... rayée, comme vous le voulez. Je mets un lien vers ma vidéo pour alterner les couleurs, pour que ça se passe bien sur l'alternance de couleurs. Voilà, la transition, elle se fait dans le dos, mais c'est quasiment invisible. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous allez apprendre ces techniques-là, en fait. Hein. Vous allez apprendre le montage tubulaire. Voilà, laissez-vous guider. Tout va bien se passer, en fait, et vous en sortirez un peu plus expert. En fait, c'est ça qui est sympa aussi dans ce patron, je crois. C'est d'ailleurs, dans les testeuses, je prends des débutants souvent parce que je veux qu'elles testent mes projets et avoir un retour de leur part. Et là, elles ont été... Les retours qu'elles m'ont fait, c'est qu'elles étaient contentes d'avoir appris ça. Donc là, le raglan se dessine très joliment. Moi, j'aime beaucoup le raglan. Et puis ensuite, on a un corps qui est tout droit jusqu'en bas. Et bon, alors moi, ma laine peluche beaucoup. Bon, alors, il a déjà été porté. Mais elle peluche beaucoup la DMC Woolly 5. Vous n'êtes pas obligé de prendre cette laine-là, mais moi je l'aime bien. Alors c'est un pull qui est lourd, mais il est extrêmement doux. Les garçons le portent même à peau nue, donc il n'y a aucun souci. Après, il faut le raser, c'est de l'entretien, mais j'aime bien. Elle est très moelleuse. Attention, elle se détend pas mal, surtout si vous tricotez un peu en déjaugé. Donc faites gaffe, parce qu'elle va prendre de l'ampleur. N'hésitez pas, moi c'est ce que j'ai fait pour la version homme de mon homme, à la passer au sèche-linge pour lui redonner sa forme initiale. Voilà. Mais je vous en parlerai quand il y aura la sortie du patron homme. Donc moi je l'aime beaucoup ce pull. Et c'est lui qui m'a inspiré d'ailleurs la collection. Donc en fait c'est ces couleurs-là qui m'ont inspiré la collection. Donc ça c'est mon proto de bonnet pour Lucien. Donc les fils sont rentrés de ce côté, d'ailleurs on les voit un petit peu, mais en fait ils se portent avec le rabat comme ça, donc c'est moins... Donc ça c'était ma version proto, que je trouvais pas assez longue, d'ailleurs du coup donc j'ai augmenté les côtes, tout ça, mais lui il l'aime bien. Ça c'est la version... Alors c'est de la taille tour de tête 50 à 58, donc il y a le patron du bonnet qui est aussi disponible sur Ravelry depuis dimanche. Et pareil, vous avez 15% dessus avec le même code, Simon15, jusqu'à demain. Donc c'est un patron qui se veut autant pour enfants que pour adultes. Donc ça c'est la version 50, il y a 52, 54, 56 et 58 cm. Ça c'est la version pour mon fils qui doit être du 54 pour Joseph. C'est celle qui est sur la couverture du patron. Là on voit bien la couronne que j'aime beaucoup. Là, vous allez apprendre si vous le faites. C'est pareil, c'est pour les débutants, c'est très bien. C'est pareil, je ne vous ai pas dit, c'est un montage tubulaire ici. Donc, c'est le même point que pour le pull. Et ensuite, vous allez apprendre une technique de double... Enfin, je ne dis pas forcément parce que ça reste aussi dans le patron, hein, mais c'est des mailles tricotées. C'est un peu comme des SSK, mais c'est pas des SSK. Donc c'est une couronne qui est très courte. Il y a une personne qui l'a fait dans une laine un peu plus rigide. Et donc elle le porte comme ça, son fils le porte comme ça. Et là, après il y a une pointe, en fait on peut le porter slouchy. Comme ça. Je vais essayer de porter celui de Joseph parce qu'il me va aussi. Et en fait, elle, il y a la pointe qui se fait. Mais ça, moi ça fait un peu schtroumpf hein, quand même. Sur moi. Bon ça c'est celui de Joe. Mais Jojo lui il aime bien. Jojo c'est comme ça qu'on le surnomme. Jojo il aime bien le porter comme ça slouchy. Voilà.
Et la version taille 58, donc celle-ci, elle est pour mon fils Simon, mais moi, je peux la porter aussi. On se passe les bonnets. Voilà. Voilà les deux patrons qui sont sortis cette semaine. Bah, c'était du boulot de tout préparer, de tout mettre en ligne et la collection en même temps. Donc en fait, il faut vraiment que je prépare plus en amont la prochaine fois. Mais ça s'est bien passé quand même. C'est juste que je me suis retrouvée un petit peu patraque en début de semaine. Donc j'ai moins tricoté. Enfin, j'ai quand même avancé quand même deux châles. Hein, donc voilà. Allez, on passe aux questions-réponses. Alors, par deux fois, là, on m'a demandé, je suis un peu décoiffée, mais c'est pas grave. On m'a demandé des idées de patrons de châles pour débutants gratuits. Alors j'ai décidé de faire une vidéo sélection de patrons que je vais tourner la semaine prochaine, puisque jusqu'à jeudi, mes garçons sont pas là, donc j'aurai un peu plus de temps pour tourner des vidéos. Donc je pense que je vais vous faire une sélection de patrons simples parce que bah, l'automne arrive, on a envie de se tricoter des châles et souvent on sait pas trop par quoi commencer. Donc je vais vous donner quelques conseils avec une vidéo. Alors Christine Perret et Mémona D m'ont demandé de parler de mes coussins ronds là. Alors ces coussins ronds, en fait, c'est une idée que j'ai eue en 2017. C'est quand j'ai lancé ma marque pour vendre en fait. Donc j'ai créé ces coussins et je les ai pas vendus. Je les ai faits en double gaze. Et ensuite je les ai rassemblés. Donc en fait j'ai fait ça un peu simplement. Il faudrait que je vous fasse un tuto en fait, ce serait bien. Le problème, c'est que j'ai les fils qui sortent, hein, parce que les garçons, ils les font valser. Alors, je suis souvent en train de les rajouter à ma pile de réparation parce qu'ils s'abîment. Parce que c'est pas des punching balls. Et ensuite, on les rassemble et on fait un mandala qu'on va coudre tout simplement le tour là pour la poser sur le milieu. Donc, de l'autre côté, il n'y a rien, c'est juste. Alors, je me souviens plus où j'avais trouvé les coussins ronds. En fait, je trouve ça super joli. J'aime beaucoup. Et si ça vous plaît, si vous voulez, j'en mettrai dans les prochaines mini collections. N'hésitez pas. Ou si vous avez envie que je vous fasse un tuto une prochaine fois, dites-moi si vous avez envie de les confectionner. C'est vrai que c'est une bonne idée de cadeau. C'est joli aussi. Celui-là, il est un petit peu, il est joli, mais il est un peu flingué. À chaque fois, j'arrête pas de le resserrer en fait parce que là, on fait un point pour resserrer au milieu le tissu. Mais mon point, il est pas assez serré. En fait, je le fais comme quand on veut faire des fronces. On pique dans différentes parties du tissu à l'intérieur. Et ça se casse, en fait. Le fil se casse surtout s'ils sont projetés dans les pièces. Vous voyez? S'ils sont malmenés, tout ça. Il y a beaucoup de coussins à la maison et ils sont souvent malmenés. Mais c'est vrai que je les aime bien, ces coussins. Ils sont jolis quand même. Donc j'ai décidé de les laisser ici et qu'ils arrêtent d'y jouer. Voilà. Des fois, j'essaie d'être autoritaire. Pas toujours, j'y arrive pas toujours. Naya me demande avait une question. Alors, j'ai une question par rapport au stock de laine. Car généralement, j'achète ma laine pour un projet, mais des fois, j'ai un coup de cœur pour un écheveau, mais pas de projet associé avec. Et du coup, je commande pas, car je ne sais pas la quantité à prévoir dans ce cas. Qu'est-ce que je dois prévoir? Quelle quantité dois-je prévoir? Alors, bon, ça, j'ai un stock de laine avec effectivement des quantités pour faire des projets et j'ai aussi une partie que je dis plus fun qui est composée d'échevaux ou de pelotes que je trouve belles et que je garde jusqu'à ce que je trouve un projet associé. Et dans ces cas-là, ben moi, ce que je fais, c'est que si vraiment j'ai un coup de cœur, notamment si je vais sur un festival, j'achète un écheveau. Si vraiment j'ai envie de me faire plaisir, j'en achète pas trois, j'en achète un. Et je l'achète et je sais que par exemple, il ira soit dans un châle bicolore, ou vous pouvez en acheter deux aussi. Hein. C'est ça. C'est que ça dépend ce que vous voulez faire. Soit vous en achetez un et vous savez que vous pourrez pas faire autre chose que par exemple un châle avec trois couleurs. Hein. Typiquement là, ces couleurs, les couleurs que j'ai là, c'est qu'un écheveau que j'ai pris. Et alors d'abord, je ne vous l'ai pas dit ça, mais normalement le plum pichol il se tricote en sport et moi c'est de la fingering.
Donc, on va voir ce que ça va donner, mais à mon avis, il n'y aura pas trop de soucis. Mais c'est sûr que par exemple, si j'achète des choses comme ça, je ne vais pas en acheter une, j'achète pour un stock, pour me faire un pull. Alors après, c'est une question de d'habitude, c'est-à-dire que je sais qu'il me faut à peu près 1200 mètres pour me faire un pull. Si c'est de la déca, bah, j'utilise un peu moins. Voilà. Donc ça dépend en fait. Ça dépend des tailles de laine. Mais si vous achetez un écheveau en fingering et que vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, utile, en achetez-en un. Après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez en acheter deux. Et dans ces cas-là, vous achetez deux. Mais si c'est une couleur, je sais pas, par exemple, si vous voulez faire un pull rayé, vous pouvez très bien faire deux plus un contrasté. Donc, si c'est une couleur qui est unie, moi, par exemple, le bleu, là, j'en avais acheté deux comme ça. Dans l'idée de faire un pull pour mon fils Lucien. Et en fait, j'ai décidé de les garder pour moi, parce que ce bleu, je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça dépend un peu. Après, si vous en achetez deux, vous pouvez très bien utiliser un sur un projet et un sur l'autre. Après, je ne veux pas vous pousser à la consommation, mais moi, c'est vrai que c'est comme ça que je réfléchis. J'espère que c'est clair. Allez, je voulais vous remercier aussi pour vos retours sur comment vous gérez vos réparations. Ce que j'ai compris, c'est que je n'étais pas assez rigoureuse, hein, ça c'est clair, et que je vais devoir me faire une session réparation intense. Voilà. Donc ce que j'ai fait déjà cette semaine, c'est qu'effectivement, j'ai suivi certaines qui m'ont dit, alors moi j'ai déjà enlevé toutes les réparations que j'avais à faire pour l'été prochain, et j'ai fait pareil. J'ai fait un sac que j'ai mis à la cave où j'ai mis tout ce que j'ai à réparer pour l'été prochain, puisque j'en ai pas besoin maintenant. Et il me reste deux sacs remplis de choses à réparer pour maintenant. Donc j'ai plus qu'à. Et entre-temps, j'ai d'ailleurs des choses qui sont rajoutées sur la pile de réparation. Notamment des pantalons troués. Hein. Voilà, on troue nos pantalons. Alors il y a aussi Anello qui m'a demandé comment j'avais fait pour le bilan des couleurs, puisque j'en parle souvent de ma palette. Alors je vais vous renvoyer vers la vidéo de Sofiana de Sautricot, parce que c'est cette vidéo que j'ai regardée. Déjà, j'avais fait quelques recherches, mais en fait, j'avais tapé sur internet tout simplement trouver sa palette de couleurs. Et il y a plein plein d'articles en français et en anglais sur le sujet, certains plus poussés que d'autres. Mais Sofiana, elle met plein de références dans sa vidéo, et là, j'ai pas eu le temps d'aller les chercher. Donc, je vous renvoie vers la vidéo Sofiana que j'ai suivie et qui m'a permis d'aller chercher d'autres choses et d'apprendre pas mal de choses sur vraiment les couleurs qui me vont. Et voilà, donc voilà, moi, c'est pas moi qui vais vous dire comment faire. Parce que je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je pense que Sofiana le devient vraiment. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Voilà. Bon, je crois que le fait de tourner le samedi, je prends plus mon temps. Bon, ça me fait du bien, hein, en même temps. Mais du coup, la vidéo est un peu plus longue. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, reposez-vous bien. Pour ceux qui ont des vacances, profitez bien de vos vacances. Et puis moi, je vous dis... ouais. À vendredi prochain, si tout va bien. Allez, je vous embrasse. Bye bye!